بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورد اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسير مفرير mes Les remerciements, les éloges, ne sièrent qu'aux vivants qui ne meurent pas, Allah en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, le miséricordieux par essence et par excellence, le généreux, celui qui est parfait dans, ses, dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses... Beau nom et dans tous ses actes qui oscillent entre sa miséricorde, d'une part, générosité et euh, sa bonté, et d'autre part, sa justice qui est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons de protection contre les conséquences de nos péchés, et les tendances de l'âme. Celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'étais donc le seul digne d'adoration, j'étais la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, le meilleur homme que la terre a porté, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin jusqu'au jour du jugement dernier et qu'Allah nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle série que vous nous avez suggérée. Je comptais déjà parler donc de de la mort, de l'au-delà, mais j'ai voulu attendre la fin donc de notre l'autre série qui est donc euh, qu'on a terminée mardi dernier, qui est la série donc sur les maladies du cœur et les remèdes. Nous n'avons fait que dix épisodes, mais bien entendu il y en a bien d'autres. Mais puisque vous avez suggéré dans un certain nombre de messages de l'au-delà donc nous avons choisi l'équipe Karim fidèle au poste, Kala Levenis, Mohamed Si Mohamed qui est souvent là donc le samedi et Mohamed Adda également donc il pose des questions pour les reconnaître. Et également font partie donc du pôle euh, communication donc de la mosquée, Kala a des récompenses pour tout ce qu'ils font. Et nous avons donc choisi de commencer ou de prendre cette nouvelle série dans l'épisode Premier est ce soir, donc qui que nous avons appelé l'au-delà. Nous avons appelé l'au-delà, on aurait pu l'appeler le jour du jugement dernier. On aurait pu l'appeler autrement, mais Allah a voulu qu'on ait choisi l'au-delà parce que c'est court. Court de tout point de vue. L'au-delà, c'est bientôt déjà. Donc c'est dans un c'est dans très peu de temps. Puisque Allah, le présent, le futur, le passé, c'est la même chose pour lui. Une chose qui doit arriver, disent les Arabes, est déjà arrivée. La deuxième raison, c'est que c'est au-delà, j'espère, de nos espérances. Au-delà de nos espérances, puisque nous espérons le paradis, l'agrément d'Allah et la contemplation de sa noble face. C'est au-delà également de la vie terrestre, et donc c'est la vraie vie. Donc on a plusieurs raisons pour avoir choisi l'au-delà, qui est la vraie vie, puisque cette vie, comme Allah le dit souvent, cette vie, quand on sera, on sera dans l'au-delà, quand on demande à celui qui a vécu combien de, de siècles, hein, il dira que je ne suis resté qu'une heure. On est resté qu'une heure en train de se reconnaître, hein, en train de faire connaissance, tout simplement. Et n'est-ce pas que quand euh, on fait un cauchemar, on a l'impression que ça a duré des siècles. Hein, et quand on se réveille, alors que ça a peut-être duré 30 secondes, peut-être même pas. Donc l'au-delà, c'est également, pour moi, le message que je veux faire passer, c'est que l'islam a horreur de la médiocrité. C'est de l'ambition. L'au-delà. L'au-delà, quand on parle de l'au-delà, souvent on lève les, on lève les yeux. L'au-delà, c'est au-delà d'eux. Donc il faut dépasser nos conceptions fausses souvent. Et Allah a voulu honorer les gens qui ont cru à son message, à ses livres, aux messagers, à l'au-delà, sans l'avoir vu. Et donc le paradis, a comme l'a dit le prophète Mohammed, qu'on a les le paradis a 100 degrés. Si vous demandez. Le paradis demandait à Allah le centième degré qui est le Firdaus. Qu'Allah nous l'accorde. Donc mes soeurs et mes frères, et qu'Allah bénisse votre temps. Donc le premier épisode, je voulais parler d'abord de l'au-delà en général. C'est un article de foi. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, Omar ben Khattab, l'amir des croyants. Qu'Allah le bénisse, il est au paradis. Il raconte que autour de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait ses compagnons, des compagnons, et voilà qu'un homme est venu vêtu de blanc. Sur lui, aucune trace de voyage et personne ne le connaissait. Il s'est mis genou contre genou devant le professeur Salam, les mains sur les genoux. Il a dit « Oh Muhammad, informe-moi de l'islam ». Nous avons été étonnés, bien entendu, qu'il appelle Muhammad puisqu'on l'appelle « wa sallam il a dit, l'islam consiste à ce que tu attestes qu'Allah seul mérite l'adoration que Muhammad est son messager, que tu t'acquittes de la prière, que tu donnes la part du pauvre, la zakat, que tu gènes le mois de Ramadan et que tu visites, donc que tu fasses le pèlerinage si tu en as les moyens. Il a dit, ça docte Effectivement, tu as dit vrai. Deuxième sujet d'étonnement, si tu sais pourquoi tu poses la question. Il a dit, alors, akhbirni anir iman. Informe-moi de la foi. Il a dit, la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier, et que tu crois au destin bon ou mauvais. Ce sont les six articles de foi. Il a dit ça Tu as raison. Tu as dit vrai. Et jusqu'à la fin de, de ce hadith, parle-moi de qu'est-ce que l'excellence, à quand la fin du monde, etc. Et donc ce ce, ce, ce tome quand il est parti, le prophète a dit Amar ben Khattab, il a dit Va voir. Il a été, il ne l'a pas vu, il ne pas trouvé. Quand il est revenu, ceci, bien entendu, n'a pas étonné le messager d'Allah, il a dit C'était l'ange Gabriel qui était venu vous apprendre votre religion, puisque vous ne posez pas la question. Voilà que Dieu a envoyé l'ange Gabriel qui a, 200, qui a 200 ailes et qui, couvrait tout l'horizon dans l'un des états que le prophète l'a vu, qui est venu sous la forme d'un homme comme vous et moi, et qu'Allah lui accorde la paix. l'ange rapproché et le confident fidèle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce, dans ce hadith, on comprend que c'est un point de, un article de foi. Celui qui ne croit pas, au jour du jugement dernier, n'est pas musulman. Et d'ailleurs, ça ne vous étonne peut-être pas, c'est que les Arabes croyaient en Dieu. Ce pas comme aujourd'hui on, on est presque fier de ne pas croire en Dieu. J'ai entendu une pharmacienne, la est en train de dire à une chrétienne, en 2000, en l'an 2000, tu crois, ou c'était en, en 80, en 1980, tu crois encore en Dieu, comme s'il fallait avoir honte du cadeau divin que Allah donne à celui qu'il aime. Il donne tout à tout le monde sauf la foi. Donc le fait d'être gratifié de la foi c'est le meilleur don qui puisse être donc il faut être fier d'avoir été guidé et donc c'est cette foi elle contient donc ces articles parmi lesquels la foi au jour du jugement dernier les koreish les polythéistes koreishites ne croyaient pas en cela bien qu'ils croyaient en dieu en effet quand on prend la sourate à Zumar, les groupes, surat numéro 39, Allah dit dans le verset 38, in man la Allah. Si, si leur demande, ô oh Muhammad qui a créé les cieux et la terre, il dit c'est Allah. Jusqu'à la fin du verset. Il y a d'autres versets qui viennent le confirmer. Ils croyaient en Allah. Simplement, ils pensaient que, comme Allah le dit dans le premier verset de la surat euh, euh, Qaf, la surat qui commence le mot Mufassal, la dernière partie du Coran, la surat numéro 50. Allah dit :« Kaf wal Quran il bajid, bal ajibu anja'ahum mundirum minhum, fa kala al kafirun haada shay'un ajib. » Kaf et par le Coran majestueux, ils ont été stupéfaits. Bal ajibu anja'ahum mundirum minhum, que leur est venu un avertisseur. D'entre eux, les mécréants, ils ont dit Voilà une chose. Extraordinaire. mitna turaba. Il vient nous dire que si on meurt et qu'on devient poussière, Radio ce serait vraiment venir de loin. C'est le premier verset de la Sourate 50. Donc, eux pensaient que une fois devenu, une fois mort et devenu ossement et poussière, il était impossible de revenir. Or, oh. Ça, c'est une chose que tous les messagers, tous les prophètes, ont apporté à leur peuple. C'est la vérité même, je veux dire, c'est l'islam. En effet, les prophètes disaient, miséricorde sont venus pour trois raisons. Nous faire savoir qui est Allah. Allah leur a révélé ce qu'il a voulu qu'on sache de lui. Subhanahu wa ta'ala, ses beaux noms, ses attributs, ses actes. Il est omnipotent. Et comme il le dit, nous avons déjà vu peut-être samedi, où... Dans des livre récents, verset 59 de la Surah Al-Imran, de la Surah 3. Il Adam le l'exemple de, de Jésus, pour Allah, c'est comme Adam. Il a créé Allah, il a créé, Allah l'a créé, subhanahu wa de poussière, ou de terre, ou d'argile. Et il lui a dit Kun, il a dit soit, et il fut. Donc ce n'est pas connaître Allah que de penser qu'une fois devenu poussière, mais tu ne te rappelles pas d'où tu viens, d'une fécondation entre un ovule et un spermatozoïde, et qui est resté le temps qu'Allah a voulu dans un endroit sûr, dans un asile sûr, et ensuite qui devient aujourd'hui ce qu'il devient en train de philosopher. Ce n'est pas connaître Allah. Allah est capable de toutes choses. Ça, on le trouve dans la Torah. Pour qu'on parle de paradis, pour qu'on parle d'enfer. On le trouve dans l'Évangile, on le trouve dans les livres. Tous les prophètes allez me en cela pour faire connaître Allah, pour nous dire qu'est-ce que, deuxièmement, qu'est-ce que Allah aime et qu'est-ce qu'il déteste. Et Allah n'a ordonné et n'aime que ce qui est beau. Allah est beau, il aime le beau. Allah n'a ordonné des choses des choses qui sont indispensables à notre humanité. Et Allah n'a interdit que le mal là où le mal l'emporte sur le bien. Et la troisième raison pour laquelle les prophètes sont, ont été envoyés ils ont tous été véridiques, c'est le fait de savoir les conséquences de cette, cette adoration. Aimer ce qu'Allah aime, détester ce qu'Allah déteste, ça amène au paradis. Et, Allah, et le contraire aurait amené un enfer, ou le contraire amènerait à enfer. Donc le paradis et l'enfer, leur existence, la, la croyance au jour du jour dernier était un pilier de l'islam. Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous y croyons. Donc ce pilier, c'est un article de foi. Celui qui y croit, certainement, est musulman. Celui qui n'y croit pas n'est pas musulman. J'ai assisté il y a une vingtaine d'années peut-être à un colloque écuménique entre différentes religions. Certains en doutent, même ceux qui se proclament du christianisme en disant « c'est une parabole ». D'autres disent « oui, mais c'est juste Dieu donne le... une information, mais le paradis il est sur terre ». Et non cette terre, le paradis que vivent les non-croyants sur cette terre, ce sera leur paradis. Et le retour vers Allah, qu'Allah nous le facilite, celui qui ne croit pas au jour du jugement dernier, qui ne croit pas à Allah, qui ne croit pas à un de ses anges, Allah se lance à les nombreux, Qui ne croit pas à un seul prophète, qui ne croit pas à un seul des livres cités, et Allah en a fait des 114 d'après Ibn Qayyim, qui ne croit pas au destin, celui-là, il ira en enfer quand on nous en préserve. Donc, le point, ce que je vais amener dans cet épisode, c'est le fait d'y croire. C'est un article de foi. Celui qui n'y croit pas n'est pas musulman. Et les anciens y croyaient. Moïse, je suis sûr, il y croyait. La preuve. Et ça va être mon deuxième point que je veux souligner. La preuve, c'est que quand il a rencontré Allah, quand il est venu de Madian avec son épouse, et qu'il a fait très froid, et qu'il pleuvait, et que Allah l'a attiré vers le buisson ardent. Quand il a vu du feu, et c'est une... ça fait partie des premiers versets de la surah Taha, la surah 20. Il a dit, attendez moi, je vais aller chercher des informations auprès du feu, puisqu'il y a du feu, il doit y avoir du monde là. Ou alors au moins vous amenez un tison pour que vous vous réchauffez parce qu'il faisait froid. Allah l'a attiré là, il n'y a pas de hasard, et c'est là où il s'est réveillé. Il dit "Anallah, la ilaha illa Ana, amusa, je suis Allah, point de divinité en de, digne d'adoration en dehors de moi." Et ensuite, dans le verset 15 de cette surat 20, Taha", il y a cette information qui est extrêmement importante que dit Allah. Il dit "Nasaa atat akadu li nafsin." L'heure arrivera, l'heure de la fin du monde arrivera. J'ai failli la cacher pour que chaque âme soit récompensée pour ce qu'elle aura œuvré. C'est l'une des plus grandes miséricordes d'Allah, de nous faire connaître, de nous faire savoir qu'il va y avoir une vie qui est à l'au-delà. On en a peur parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Mais. Allah nous a informé qu'il y a un au de l'âme. Nous y croyons. Les gens du livre y croient. Ceux qui n'y croient pas, prétendre ne pas croire à Allah, comment cela se fait-il? Ils ont mis la raison au-dessus de la révélation. C'est ce pas notre cas. Ceux qui n'y croient pas, ce sont les bouddhistes qui parlent de réincarnation. Parce que pour eux, il n'y a pas de dieu. Il n'y a pas de jour du jugement dernier. De Quand c'est une bonne âme, sur cette terre, elle va être l'âme à la mort va passer dans un autre homme ou femme. Et quand c'est une âme qui est mauvaise, ça va devenir un animal. Pour eux, c'est la réincarnation. Pour nous, c'est sera la résurrection. On va mourir, ensuite on va être ressuscité. Personne n'a vécu sur cette terre sans être ressuscité. Et ceci est facile à Allah. Quand il veut qu'une chose soit, c'est suffit qui dit soit et la chose elle est. La croyance donc est une au jour du jugement dernier, comprend la vie après la mort, dans la tombe, l'interrogatoire, la félicité, les tourments pour ceux qui ont été injustes, la félicité pour ceux qui ont été justes grâce à Allah, la résurrection, la fin du monde et ses signes, la résurrection, ça comprend. La station, ça comprend la, la grande intercession, ça comprend également les autres intercessions, qu'on verra tout ça, inshallah, Ça comprend le jugement des actes, ça comprend la distribution des rôles, ça comprend le bassin, ça comprend le sirat et le quintal, le, le pont, j'étais sur l'enfer, que personne ne saurait éviter d'affronter de front, comme Allah le promet dans la Surah Maryam, Surah 19. Ça comprend donc le paradis, ça comprend l'enfer, ça comprend tout ceci. La balance également. Et ça, s'il plaît à Allah, on reviendra sur toutes ces notions-là pour qu'on sache, parce qu'Allah nous a informés, parce que la croyance hein, au jour du jugement dernier, ce n'est pas, pas seulement théorique, c'est la croyance et le fait de s'y préparer. Comment est-ce qu'on va prétendre Croire à une chose, on ne s'y prépare pas. C'est qu'on est dans le doute. Et le doute, on l'a déjà traité parmi les maladies du cœur. Et le doute se soigne par la science. Et la science et la science se Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce jour du jugement dernier pour justement mobiliser les énergies et les miséricordieux. Naître, mourir, on a l'impression que c'est un cycle. On ne voit que par les yeux, alors qu'en réalité, il faut voir par le cœur. En effet, c'est par pure miséricorde qu'Allah nous le dit pour qu'on se mobilise, qu'on ne perde pas du temps. Il n'y a pas de temps à perdre. Qu'est-ce qu'a dit le sallam à Ibn Omar, Abdullah ibn Omar, quand il a gréé ainsi que son père? Il a dit Kunfi dunya ka soit dans ce bon monde comme un étranger ou un passant. Parce que y a une destination. Le passant ne s'attarde pas. Il a une destination pour rejoindre la vraie vie, qui est la vie de l'au-delà. Si Allah nous informe que il y a une vie après la mort, c'est pour s'y préparer. Et il décrit les pieux. Cette croyance au jour du juin dernier est souvent rappelée dans le Coran comme dans les hadiths en rapport avec la piété. En effet, Allah Subhanahu wa Taala dans la surah Al-Baqarah, surah 2, verset 4, quand Allah dit Alif Mim, al il décrit donc ce livre au point de tortuosité. C'est une guide sûre pour les pieux. Quand il le décrit, Allah dit c'est qui croit à l'invisible. qui accompagne cette croyance par le fait de s'acquitter de la prière. Et ceux, donc, euh, qui dépendent de ce que nous leur avons confié. Ceux qui croient ce qui t'a été révélé à toi, ô Mohammed. Et ce qui a été révélé auparavant, avant toi. Et par rapport à l'au-delà, à la, à la, au jugement dernier, à la récompense, il y a, eux, ils, ils ont une certitude. الله رفع برسك من برسك الميم نوسيون ذا لو برسك الميم سورة ذا لو برسك الميم تلك ايات الكتاب تلك الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم وهم بالاخرة يوقنون Ils ont la certitude. Dire je crois à l'au-delà, la mort, tout le monde y croit forcément. On n'a pas besoin d'être uh, croyant pour croire à la mort, puisqu'on voit les gens partir, on voit qu'ils n'ont plus de vie, etc. Mais où est-ce qu'ils vont C'est pour ceux qui n'y croient pas, à la vie de l'au-delà, vont se faire incinérer, ce qui est complètement interdit dans l'islam. Mais même après l'incinération, mes frères, mes soeurs, c'est une certitude. Même après l'incinération, il y aura la tombe. Les tourments de la tombe, il y aura le jugement, ils seront ressuscités, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme avant nous, un homme avant nous, à l'article de sa mort, il a dit à ses enfants Qu'est-ce que j'ai été pour vous Ils ont dit Le meilleur père. C'est ce qu'on espère qu'après nous, nos enfants diront Le meilleur père. Il dit alors Quand je vais mourir, vous allez brûler ma dépouille vous allez attendre un jour de grand vent. Et vous allez disperser les cendres. Et Allah va le ressusciter. Dans une version, vous allez diviser mes cendres en deux. Une dans les airs et l'autre dans la mer. Et Allah va quand même le ressusciter. Il est, on ne le connaît pas. On n'a pas estimé vraiment Allah à sa juste valeur, comme il est dit dans la Surah Al-Zumar. Allah dit le jour du jugement dernier, Yom Al-Qiyamah, la terre sera une poignée. Une poignée dans sa main. Et il saisira les cieux dans sa dextre. Et les deux mains d'Allah sont droites. Subhanahu wa ta'ala amma Gloire, pureté à Allah par rapport à ce qu'on lui associe des idoles, des créatures qui ne peuvent rien pour elles-mêmes. Et donc Allah va le ressusciter au jour du jugement dernier. Allah va lui demander, bien qu'il sache, puisqu'il a, il a informé le prophète Allah va lui demander, pourquoi tu as fait ça Il dira, j'ai fait ça parce que je craignais de te rencontrer. Et Allah va lui pardonner. Ce geste par l'ignorance qu'il pense. Il, le, il craignait de rencontrer Allah. Il savait qu'il allait rencontrer Allah, mais il craignait en pensant, à tort bien entendu, que s'il avait été incinéré et qu'Allah n'allait pas le... Ressuscité. Et donc, cette notion est extrêmement importante, mes frères et sœurs. Et Allah revient souvent dans son livre. L'imam al qurtubi qui est une des références en matière d'explication du Coran, il dit qu'il a recensé dans le livre plus de 50 noms réservés à, à l'au-delà. On en connaît un certain nombre. Le jour du jugement a le Qiyamah baath le jour de la résurrection. On connaît Al-Hakka, Atam, al al, al, al qariya Combien de noms Il les cite jusqu'à 50. Quand à l'imam Ibn Kathir, car il fasse miséricorde, il en a trouvé des noms faisant allusion au jour du jugement dernier, plus que... 90. Plus de 90 noms. Si je vous dis ça, ce n'est pas pour le citer. Parce que chez les Arabes, dit l'imam al miséricorde, plus une chose est importante, plus on lui donne des noms. Plus une chose est importante, plus il y a des synonymes qui la désignent. C'est parce que ce jour est terrible. Les conséquences sont douloureuse et irréversible. Parce C'est pour cela qu'Allah les a cités et Allah a mentionné ce nom c est, c est le jour du juin dernier. Pourquoi on l'appelle Yomanachiyama Parce que les gens seront debout. Ils resteront debout. Ils sortiront de leur tombe, pieds nus, corps nus, non circoncis, le soleil proche des têtes. Ils resteront le temps que... Allah seul sait au point qu'ils vont demander, préférer aller en enfer plutôt que de rester sous ce soleil. La sueur atteindra certains à la cheville, d'autres au genou, d'autres à la ceinture, d'autres seront noués, noyés dans leur sueur. À cause de ce qui atteint les hommes, Allah lui a donné beaucoup de noms pour leur donner un aspect seulement, 90 aspects, je dirais, au plus de ce jour terrible. Donc je vous dis, mes soeurs, mes frères, que quelle miséricorde Allah de nous avoir informés, avertis que c'est un jour terrible. Pourquoi les messages à l'Aïm, surtout le prophète, sallallahu alayhi wa Nadir ou Abashir Il est Bashir parce qu'il annonce la bonne nouvelle pour les croyants. Nadir, il met en garde les gens, ceux qui ont pris cette vie comme un but en soi, une fin en soi, ceux qui ont perdu leur temps, ceux qui ont désobéi à Allah. Et qui ne sont pas revenus repentants, malgré sa miséricorde, sa miséricorde est infinie. On se rappelle, on se rappelle, au moins 17 fois par jour, pour celle qui n'est pas indisposée, qui fait sa prière, pour celui qui est régulier à la prière, qui empêche des choses blâmables et des au moins 17 fois par jour, nous recitons la Fatihah. Vous n'avez pas remarqué que Allah, dans le troisième verset, dit Maliki Omidine, le roi Maliki au le roi du jour de la rétribution, qui est un des noms du, de l'au-delà, du jour du jugement dernier. Dans une façon de lire, c'est Maliki au celui qui possède le jour de la rétribution. Donc il n'y aura pas, il n'y aura qu'un seul roi ce jour. L'imam il Allah s'écrira quand tout va, il va tout faire périr. « Kullu man dit, Allah, dans la surah Ar-Rahman, surah 55, « Tout ce qui est sur elle, c'est-à-dire la terre, est appelé à périr. « Et ne persistera que la noble face, face majestueuse ton Seigneur. » Ce jour, Allah dira, « La royauté aujourd'hui appartient à qui et il répondra, puisque c'est le seul, subhanahu wa ta'ala, le vivant qui ne meurt pas. Al-Hayyu, la Quand les djinns et les hommes meurent. L'iman il moulk, l'iyom, à qui appartient la royauté. Et il répondra, seul, l'illahi wahidul qahhar À Allah, l'unique, le dominant sur toutes choses, al Qahar. Et donc, ce jour est terrible. Allah nous en a averti. Mais avant, quand tu dis Maliki au Médine ou Maliki au Médine, selon la version que tu vas lire, ou Hafs, tu vas commencer par Alhamdulillahi Rabbil Les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'au Seigneur, à l'éducateur des univers. Les gens de science, ils disent L'éducateur, c'est celui qui, comme on le verra, puisque vous avez également été nombreux, a demandé les commentaires, les attributs. Les beaux noms et les attributs d'Allah. Si Allah nous prête vie, on va le voir ensemble, inshallah. Mais aujourd'hui, on se contentera de peu. Quand on dit, Rabb, en arabe, c'est la même racine que Tarabia, c'est-à-dire l'éducation. Rabb, c'est le Seigneur, c'est l'éducateur. Les savants, ils disent, l'éducateur ne peut pas ne pas guider les gens, ne peut pas les, ne pas les avertir, ne peut pas. En leur donnant à manger, à boire, il leur donne encore plus, c'est leur montrer le droit chemin qui est donc dans le dans verset 4 et suivant. Et donc, il se décrit avant tout par ar rahman ar Rahim, verset 2, dans une des versions, verset 3, dans une autre version, peu importe, Alhamdulillah al Amin, Al Rahman Rahim. ar rahman c'est le miséricordieux. Ar-Rahim, c'est le miséricordieux. Moi, je traduis ça par Ar-Rahman, par le miséricordieux par essence. Ça, c'est ce qui est permanent et qui est un attribut permanent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je traduis ça par le miséricordieux par essence. Fidatihi dhatihi, li lié à son essence, subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim, c'est le miséricordieux par ses actes. Et il a divisé sa miséricorde en 100 parties. Il a fait, depuis qu'il a créé, il a fait descendre un centième de sa miséricorde, de ce centième procède le fait qu'une jument, quand elle met bas, elle lève le pied ou la patte pour ne pas écraser son poulain. Depuis qu'il a créé jusqu'à la fin du monde, et il a gardé 99% de cette miséricorde pour pardonner aux croyants qu'Allah nous compte parmi cela. Parce que sans sa miséricorde, personne ne rentre au paradis, comme nous l'a enseigné le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit même toi, il dit même moi, si ce n'est qu'Allah va me faire miséricorde. Aucun de l'acte de personne ne le fera rentrer au paradis. C'est 99% de miséricorde. Certainement. Dans nous profitons d'un seul pourcent. C'est 99% de miséricorde restante. C'est ce qui nous fera rentrer, inshallah au paradis, pardonné et aimé par notre Seigneur Subhanahu wa Ta'ala. Quand il dit Rahman Rahim, on imagine tout ce qu'il a fait pour nous. On répète souvent ce verset 53 de la Surah Al-Nahl, de la Surah Les Abeilles, Surah numéro 16, verset 53. Quel que soit le bienfait que vous avez, ça, vient, ça provient d'Allah. Nul bienfait si ce n'est de la part d'Allah. Donc on pense souvent à celui qui fait miséricorde, certainement. Mais parmi cette miséricorde, justement, je pense. On peut penser que inclus dans cette miséricorde, c'est le fait qu'il soit le roi du jour du jugement dernier, le fait qu'il ait voulu, qu'il ait décrété qu'il y aura un jour où on reviendra à Allah. Les prétentieux sont nombreux. Oh Allah, si tu m'avais donné ceci, oh Allah, si tu m'avais fait cela, j'aurais fait cela. Pour enlever toute excuse à tout le monde. Allah a voulu récompenser les uns et les autres, ceux qui ont fait le bien seront récompensés par mieux. Ceux qui ont fait le mal, ils seront soit pardonnés. Si c'est moindre que l'association Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant cru, bien entendu, aux différents articles de foi, si c'est moindre que l'association, in Allah, la Allah dit dans, le, dans la sourate les femmes, Nisa, verset 48, et également dans le verset 116, Allah dit Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. En deçà donc de ça, Allah peut pardonner. Ces 99% de miséricorde, certainement suffisent pour nous pardonner. Et c'est sur ce pardon, sur cette miséricorde que nous comptons. Mais le fait qu'Allah nous ait annoncé et va nous récompenser, ça fait partie de sa miséricorde donc. Ça fait partie de ces 99% de miséricorde qu'il a réservé au jour du jugement dernier. Ce jour du jugement dernier y croire, c'est certainement y travailler. Quand on y croit vraiment, c'est la certitude. Ibn Abdallah, Ibn Kalalagré, il disait aux épigones, les gens donc qui étaient leurs enfants, je dirais, la deuxième génération, qui est la meilleure après la première, il leur disait, vous, vous connaissez peut-être, probablement, plus de Coran que nous, plus de Hadith que nous, mais, mais, nous, nous avons une certitude de du jour du jugement dernier. Ça dit c'est ce qui vous manque, mais vous. je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. Le prophète Allāh ﷺ qu'est-ce qu'il disait souvent? Mankana wa l On a dit les articles de foi sont de six et il disait mankana yūmīn bilāhi wa l-yūmīl aakhir fal-yakhūl khayran aw ça, c'est un des exemples parmi les hadiths. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qui dise du bien ou alors qui se taise. Qui dise du bien ou qui se taise. Pourquoi Il a pris spécifiquement le jour du jugement dernier. Parce que nous disons tous croire en Allah. Nous disons tous aimer Allah. Mais si nous croyons avec certitude au jour du jugement dernier, nos comportements seraient certainement meilleurs. Avec nos épouses, avec nos époux, avec nos voisins, avec nos enfants, avec le musulman, avec les non-musulmans, parce que ce jour, il n'y aura pas, il n'y aura pas d'injustice. La Il n'y aura pas d'injustice. Et c'est une des sagesses pour lesquelles Allah revient souvent, surtout dans la dernière partie du Coran, sur le rappel, et le rappel profite aux croyants, que tu vas le rencontrer un jour. Et que tu vas rendre compte. Le jour des comptes. En apprenant que le verset, les versets 7 et 8. La surah Zilzala. Surah 99. Allah dit. Ouais. Celui qui fait le bien du poids d'un atome le verra. Du poids d'un atome. Parfois on le traduit par. D'un grain de moutarde. C'était ce qui était le plus petit. Au ouais. moins à la vue. Et aujourd'hui, avec les techniques modernes, les découvertes scientifiques, on traduit souvent par de l'atome. Celui qui fait le bien du poids d'un atome le verra. Alors pourquoi tu ne fais pas le bien Pourquoi tu ne profites pas des occasions Pourquoi tu laisses les autres faire le bien et toi le faire le mal Sache alors que celui qui a fait le mal, aussi petit que cela puisse paraître, il le verra. Il le verra, c'est qu'il verra les conséquences attendez nous la main du dit le professeur elle est jamais meilleure que moi est-ce que vous connaissez quel est l'insolvable ils ont dit l'insolvable parmi nous c'est celui qui n'a ni dinam ni dirham ni dinar il a dit non l'insolvable c'est quoi on va aller demander à la banque ce que je ne vous conseille pas on a vu la riba quelqu'un qui veut aller à la banque pour demander un prêt la banque va lui demander certainement des garanties si tu dis je suis au chômage, ou je suis au RSA, ou je, je gagne le SMIG, ils ne vont pas te donner, te prêter 5 000 euros, au plus ils vont se dire, mais comment tu vas pouvoir le rembourser? Ça ne te suffit même pas, et encore moins pour pouvoir économiser, comment tu vas pouvoir le rembourser? Et c'est ce qu'on appelle l'insolvable. Le prophète à il a dit, l'insolvable de ma communauté, c'est celui qui viendra avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions. Mais il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. Et Allah est juste. On a passé quelques lives sur ce très beau hadith qui plaît tant au savant du Cham, rapporté par Abu Dhar, consigné dans les des musulmans. Le prophète a dit que son Seigneur et le nôtre. Il dit Ô oh, mes serviteurs, Ya ibadi, haram Je me suis interdit l'injustice et je vous la rends interdite entre vous. Ne vous faites pas injustice. C'est le début du hadith. Il est très beau. Il fait très peur. L'injustice, aussi petite puisse-t-elle paraître. Est-ce que tu connaît le hadith du prophète qui ne parlait pas de lui-même. Il disait, la justice d'Allah est tellement parfaite qu'au jour du jugement dernier, un bélier qui a des cornes, qui a pu prendre, on l'imagine, le dessus sur un bélier qui n'a pas de cornes. C'est différentes races de moutons. Le bélier qui n'a pas de cornes va demander à Allah de le venger comme Allah est juste comme Allah a ordonné la justice le bélier qui n'a pas de cornes pourra prendre sa revanche sur le bélier qui a des cornes et ensuite pour les animaux il n'y a ni paradis ni enfer le bélier qui n'a pas de cornes de même que le bélier qui a des cornes une fois que la justice a été établie deviendront poussière mais avant de devenir poussière Allah va régler les différends entre eux ce jour du jugement derrière. Tu comprendras pourquoi le prophète disait, si, je, si vous saviez ce que je sais sur l'au-delà, vous auriez peu ri et vous auriez beaucoup pleuré, vous ne serez pas, vous n'aurez même pas joui dans vos rapports conjugaux et vous serez dans la rue, telle des sans, sans domicile, en train de courir les rues. Parce que l'affaire est terrible. Il a dit également, salam, si les animaux savaient, ce que vous vous savez sur le jour du jugement dernier, sur l'au-delà, certainement vous n'en aurez pas eu de, de la viande. C'est-à-dire que ce seraient les squelettes qui se promeneraient. Tellement la chose est terrible. Le jour du jugement dernier, l'au-delà plutôt, après la mort. Parce qu'il y a trois vies. Il y a trois. Dans l'islam, Allah parle, et on le verra Allah, de Barzakh, qui est le monde intermédiaire. Il y a ce bas-monde, monde terrestre. Tu vis autant que tu veux. Nous, avec 950 années, la longévité moyenne de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit entre 60 et 70 ans. Imaginons que tu sois le doyen de l'humanité, tu dépasses rarement 100, 110 ans. Et Allah par miséricorde a voulu. On sait les personnes âgées combien leur force tant intellectuelle que physique baisse par miséricorde. Allah ne veut pas, subhanahu wa ta'ala, les faire souffrir davantage. Ils perdent souvent la raison. La on le connaît tous. Le Parkinson, on le connaît tous, n'arrive même pas à saisir un verre. Alors qu'il a été vaillant, il a été beau, il a été fort. Est-ce que tu aurais aimé continuer comme ça Non. Allah lui promet. Allah reprend sa vie après lui avoir donné ce qu'il a donné et il sera testé sur ce qu'il a fait. Et ensuite il sera, il sera ressuscité. Et quand il va rentrer au paradis, il aura 33 ans. La force de l'âge ou presque. Il sera beau. Il aura 60 coudées. 33 ans, comme l'âge auquel Allah a élevé Jésus, qui reviendra avant la fin des temps, à n'en pas douter, et qui va mourir à 40 ans, cette année après. C'est une miséricorde d'Allah que de rappeler cet être qui devient faible quand il arrive à la décrépitude. Si Allah avait voulu, s'il n'y avait pas de vie après la mort, ce serait triste. Que celui qui a été connu le succès La force, l'intelligence Finissent comme il finit, Dépendant dans un EHPAD ou ailleurs Qu'on souhaite presque la mort Pour les personnes qui n'ont plus de force Qui n'arrivent même pas à s'alimenter Par miséricorde, Allah les rappelle Pour leur promettre mieux Parce qu'ils auront cru en Allah Ils auront cru au jour du jugement derrière. Ils auront cru en l'au-delà Je disais donc qu'il y a trois mondes il y a ce monde, cette vie, sur cette terre, il y a le Barzakh, qui est le monde intermédiaire, celui de la tombe, jusqu'au jour du jugement dernier. Et il y a ensuite le jour du jugement dernier qui sera l'éternité, la vraie vie. Nous croyons à ces trois, ces trois mondes, et ceci a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages, mes frères et sœurs. Allah ne fait que le meilleur Même si on ne comprend pas Non seulement on va être ressuscité On espère avec une vie Avec une félicité dans la tombe Comme on en, on en parlera la semaine prochaine C'est ce qu'on espère Pour celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier Qui a travaillé pour cela Grâce à Allah Pour Allah Mais en plus de cela Il y a la mobilisation des énergies, c'est qu'il n'a pas de temps à perdre. Quand il voit du bien, il se précipite. Parce qu'il sait que celui qui a fait le bien du poids de notre le verra. Celui qui a fait le mal du poids de a le verra. Il entre en compétition pour le bien. La foi à 73 ou 63, selon la version, branche. La branche la plus élevée, c'est la parole, la ilaha illallah. La plus basse, qu'est-ce qu'il a dit le alayhi wa sallam La foi la plus basse, la branche la plus basse, c'est d'enlever un obstacle de la rue pour que les gens ne se blessent pas. C'est vraiment étonnant qu'il y ait une porte de bien que tu vois et que tu passes à côté, alors qu'au jour du chemin dernier, tu en auras besoin. Sachant en plus qu'aucun d'entre nous ne rentrera au paradis par ses actes. Donc on doit se précipiter, manger peu. Dormir peu, parler peu et agir beaucoup, fréquenter peu. Le trésor, c'est ton temps et la santé qu'Allah te donne. Deux bienfaits qui échappent à beaucoup de gens. Comme l'a dit le professeur Le temps libre que tu dois absolument exploiter. Pas une minute à perdre, on dit, parce qu'il faut le faire vite. C'est vraiment le cas de le dire, pas une minute à perdre. Hein. À rester devant ton match, qu'est-ce que ça va t'apporter À rester devant la, ta série, qu'est-ce que ça va t'apporter À rester en, devant, à tchatcher, à, à vouloir refaire le monde, qu'est-ce que ça va t'apporter Si tu, tu fais un peu de véhicre. Kalimatan, Khafifatan, Al-Al-Lissan, Thakilatan, Al-Al-Mizan, Habibatan, Al-Rahman. -al Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah Deux mots légers sur la langue, il a dit le Prophète Lourd dans la balance, si tu y crois. Le jour où les bonnes actions et les mauvaises actions seront pesées. Et aimer du miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi. Louange, pureté et gloire à Allah et par sa propre louange. On ne sera loué. Comme il s'est lui-même. Subhanallah al-Azim. Gloire, pureté à, à l'immense, au sublime. Le fait de le dire, ça t'apporte bien plus qu'un match de foot. Que rester 90 minutes, voire plus. Je ne compte pas l'avant et l'après. Je ne compte pas la mi-temps. Je ne compte pas les commentaires. Qu'est-ce que ça va t'apporter Et ils ont des millions pour avoir joué. Et toi, qu'est-ce que tu as Ton équipe a perdu ou gagné Ton équipe. Alors que l'homme ira avec les gens qu'il aime. L'homme ira avec les gens qu'il aime, comme on le verra, Inch'Allah, plus tard. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, nafsihi, wazinata arshihi, kalimati. Voilà des choses qui te serviront. Les savants utilisent le rappel d'Allah est certainement la seule chose bénie dans ce beau monde. Et donc, tu dois, si vraiment tu crois au jour du jugement dernier, tu crois que tu vas revenir, tu es sûr que tu vas mourir, mais dans quel état Qu'est-ce que tu vas pouvoir répondre dans la tombe, comme on le verra, Inch'Allah, au jour du jugement dernier Et la mort n'avertit pas. Et pour quand tu ne te précipites pas, tu as un, un, une copie de ton contrat. Comme quoi tu vas mourir, tu vas vivre encore un jour, un an, un mois, dix ans, tu n'as pas de certitude. La mort vient subitement. Allah dit dans la surah Ali Imran, dans les derniers versets, plus précisément dans le verset 185. Chaque âme goûtera la mort. Wa Le meilleur des hommes est mort. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Abu Bakr, quand il est revenu, il a trouvé Omar qui n'y croyait pas, qu'il était mort. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, Allah a décrété que chaque âme va goûter la mort. Quand il a embrassé, qu'il a pleuré, comme on peut l'imaginer. Il est venu, il a dit, Fama Muhammad illa rasoul. Mohammed n'est qu'un messager, comme Allah l'a dit dans la Sourate 3, à Imran, après Uhud. Ce n'est qu'un messager qui a été précédé par d'autres messagers. S'il meurt ou s'il était tué, est-ce que vous allez revenir en arrière Abu Bakr qui récite ce verset et celui de la Sourate az zumar 39. Il qu'un maïtoun Te voilà mort et les voilà mort. Et ensuite, au jour du jugement dernier, vous allez trancher les différents. Il a dit, celui qui adorait Mohammed, qui sache que Mohammed est mort, et celui qui adore Allah, qui sache que Allah est le vivant qui ne meurt pas. Allah est le seul à ne pas mourir. Tout autre que lui va mourir, va connaître la mort. Et la seule mort, parce qu'il n'y a pas deux morts, il y en a une seule. Et c'est un, c'est irréversible. Ce sera soit le paradis, qu'Allah nous compte parmi ses habitants, soit l'enfer l'éternité pour les croyants injustes ce sera l'enfer et le paradis sortiront de l'enfer mais ne me dis pas qu -ce que c'est que l'enfer le châtiment le plus léger a été réservé à un homme que vous connaissez le père d'ali ibn Abi talib ses deux pieds dans une mare de feu 70 fois plus chaud que le nôtre sa cervelle se met à bouillir ça c'est le châtiment le plus léger ne ne sous-estime pas le péché. Ne sous-estime pas ma soeur le péché. Mon frère ne sous-estime pas le péché. Nous sommes tous pécheurs certes. Mais n'oublie pas que c'est à cause d'un seul péché que Satan a été envoyé en enfer. Allah lui a ordonné de se prosterner et il a refusé. Toi qui refuses de prier, de te prosterner devant Allah, un jour on viendra on va demander comme Allah le dit dans la sourate 68 Al-Qalam de se prosterner. Et ne se prosterneront que ceux qui se sont prosternés dans ce bas monde. Et quel péché! Quel péché que d'abandonner la prière ou de ne pas prier! Quel péché! Ne pense pas que tes actes vont te sauver ce jour-là. Et donc ce jour, si Allah nous avertit, c'est pour mobiliser les énergies que tu n'aies pas de temps à perdre, surtout dans la médisance, dans la calomnie, dans la futilité. Parce que si tu as fait du bien, tu le verras. Si tu as fait le mal, tu le verras. Comme Allah dit dans cette belle sura zilzala, quand il dit, quand la terre va rejeter... c'est la prise de secousse qu'elle va rejeter ce qui est en son sein c'est-à-dire les ossements que les, sera la résurrection et que l'homme va dire à ce jour ce jour l'homme va dire mais qu'est-ce qu'elle a cette terre et si tu veux t'imaginer la résurrection lis les dernières sourates du Coran tu auras une idée bien précise hein, bien que bien entendu ce serait bien plus terrible que cela l'homme va dire mais qu'est-ce qu'elle a cette terre et la terre, ce jour-là, va raconter son histoire. Parce que son Seigneur le lui a ordonné, le lui a inspiré. Ce jour, la terre va parler. Ce jour, la peau va parler. Les yeux vont parler. Les oreilles vont témoigner. Parce que Allah leur aura ordonné de le faire. Et la bouche sera cousue pour que la langue ne puisse même pas nier. Alors, très certainement, il est temps, encore temps, tant qu'on n'est pas mort, de demander pardon à Allah et de revenir repentant. C'est l'une des... des exhortations du prophète salam. Hassan al basri Rifas Miséricorde, était avec un de ses élèves et quelqu'un est venu demander ce qu'il est venu demander. C'est la sécheresse. Nos animaux meurent, les hommes meurent. Conseille-moi, il dit Istagfirou Elle est venu vers votre vers Seigneur et demandez-lui ensuite pardon. Et ensuite, un autre est venu en disant qu'il n'avait pas d'enfant, comme on peut aimer avoir, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que ça. On n'a pas d'enfant. Les femmes se plaignent, ils n'ont pas d'enfant. Les hommes se plaignent, ils n'ont pas d'enfant. Il dit il est Revenez vers Allah repentant. Ensuite, demandez-lui pardon. Demandez pardon et revenez repentant. Et notre venu pour autre chose, il, lui a donné la, il leur a donné la même solution. Ils lui ont dit, l'élève quand ils sont partis, l'élève lui dit, mais comment se fait-il, Cheikh Imam, trois personnes viennent pour trois besoins différents, et tu leur donnes la même solution. Il dit, est-ce que tu n'as pas entendu nous Le premier messager, en train de dire, revenez vers votre Seigneur repentant, il vous enverra du ciel. Là, la, la, la pluie, et il va vous donner des enfants. Il va vous donner ce que vous n'attendez pas. Donc ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, il est temps de revenir vers lui. Une des sagesses de croire au jour du jugement dernier, c'est aussi la consolation. Si tu es faible aujourd'hui, et en fait tu as été créé faible, comme Allah le dit, Subhanahu wa Ta'ala. Et on le fait, on le sait. On le voyant naître ce bébé, l'homme a été créé faible. Surat les femmes, verset 28. La consolation, c'est que tu es faible. Tu vas peut-être mourir faible si Allah t'accorde une longévité. Mais tu vas être ressuscité en forme. Toi qui as perdu ton père, ta mère, ton époux, ton épouse, tes enfants, si, il y a une consolation, c'est que si, heureusement, qu'un jour du jugement Dernier où tu vas les retrouver, et s'ils ont été pieux, grâce à Allah, vous allez vous retrouver au paradis, un endroit qu'aucun n'a vu, aucune n'aurait entendu parler, dont même l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne. C'est une consolation. Consolation de les retrouver. Ceux qui, qui ne croient pas, je ne sais pas comment ils supportent la perte, entre guillemets, la mort des gens qu'ils aiment. Parce que là, nous nous sommes convaincus qu'on va se retrouver, on espère, au jour du mois dernier, sans aucun doute, avec ceux qui n'y croient pas, avec les gens qu'on aime surtout, parce que l'homme ira avec les gens qu'il aime, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme ira avec les gens qu'il aime, car là, nous fasse aimer les gens qu'il aime. Anna Ali, Kala a a dit qu'un bédouin est venu trouver un jour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et un bédouin est synonyme de quelqu'un qui est, je dis pas mal élevé, en tout cas mal éduqué. Il était grossier. De loin, il appelait Mohammed, Ya Mohammed. Muhammad. On lui dit, tais-toi. Tu ne sais pas à qui tu parles. Tu parles au messager d'Allah. Il a dit, non. On dit, baisse la voix. Il dit, non, je la baisse pas. Et le prophète s'allam de lui répondre comme il a appelé, Mais voici. Il dit, l'homme aime les gens, mais il n'a pas de, autant d'actions. Le prophète sallallahu alayhi a dit, l'homme ira avec les gens qu'il aime. L'homme ira au jour du jugement dernier, avec les gens qu'il aime. Et Anas qui disait, c'est la parole peut-être qui a plu le plus aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa Moi Anas. Et pourtant, Allah sait qui est Anas. On dit que c'est le dernier compagnon du Prophète à mourir. Depuis qu'il avait 8 ans, il est resté avec le Prophète jusqu'à la mort de ce dernier 10 ans après. Il a vécu, il a vécu. Allah lui a donné, on dit, une centaine de descendants de son, de son vivant, fils et petits-fils et arrière-petits-fils qu'il a vus et qu'on espère qu'il prie pour lui. Et nous également, nous prions pour lui qu'Allah le récompense par le meilleur pour ce qu'il a pu nous rapporter du prophète Muhammad sallallam. il dit moi Anas, je n'ai pas beaucoup de prières je n'ai pas beaucoup de jeûnes mais j'aime Allah, j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam j'aime Abu Bakr, j'aime Omar et donc Allah subhanahu wa nous donne l'amour son amour qu'il nous aime qu'il nous donne l'amour des gens qu'il aime et qu'il nous donne l'amour des œuvres qui conduisent à son amour dont la foi au jour du jugement dernier, en lui bien sûr, à ses messagers, aux anges, aux livres, au jour du jugement d'essai et au destin, qu'on les fasse aimer et que dorénavant, qu'on soit comme ceux qui ont été réveillés brusquement, qui étaient à côté de la plaque. Ils savaient qu'ils allaient mourir, mais ils ont oublié ce qui les attend. Ils ont oublié ce qui les attend. Et l'homme est oublieux. Alors, dans sa miséricorde, a créé l'oubli. Et quel bienfait et quelle miséricorde. Puisque si on n'avait pas oublié, on ne serait pas là. On se rappellerait, on souffrirait encore des déceptions et des malheurs et des accidents qu'on a pu avoir dans la vie. Mais il y a des choses. C'est pour cela qu'Allah a envoyé des messagers pour rappeler, à garder le livre pour rappeler. Mohammed est mort, certes, sallallahu alayhi wa sallam, un lundi, le jour le plus triste de Médine, disait Anas mais Allah est le vivant qui ne meurt pas. Il nous a laissé le Coran. Il nous a laissé les dires authentiques de cet homme, le meilleur des hommes que la Terre porté. Qu'Allah bénisse Mohamed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous, donc, c'est samedi à 21h. Sha'Allah, pour parler, continuer à parler de la famille en islam. Mardi prochain, Incha'Allah, on, on continuera donc le deuxième épisode de cette série sur l'au-delà. ا کومنسي با لا مور الله نفاسلت نکونتيو ان شاء الله کو بارادي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة اما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.